Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une vidéo sur Dofus comme je vous l'avais promis. Donc on va faire une ouverture de coffre aujourd'hui. Parce que vous voyez là j'en ai 9 et je suis plus qu'à 2 positions d'en avoir un 10e. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa histoire de voir comment j'avance. Donc je suis déjà à 3100 roses des sables. Si j'ai un peu de chance, voilà on va combattre. Si j'ai un peu de chance, j'atteindrai peut-être les 4000, ou si j'ai un gros gain aussi, ça peut être sympa. Donc ce que je vais faire, c'est je les ouvrirai 10 par 10 avec vous, jusqu'au moment où on sera à 20 000. Donc là, on va combattre le trésor ensemble. Je vais baisser un peu le son de Dofus. C'est où ça là-dedans? C'est juste la musique en fait. Voilà. On va tenter le châle. Moi, je dois faire très gaffe avec mon roublard, c'est parce que, en fait, je tape assez fort et en général, j'ai déjà plus de vie quand, quand il fait sa régène. Donc là, on va pas taper exprès. Ça y fait la régène. Voilà. Un petit CC def famille. On va lui mettre une espingole. On va lui mettre un petit coup de bon. Comme ça, on attend la régène au prochain tour. Et comme ça, on finit full life. Enfin, full life. On en aura perdu un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, Chal réussi. On récolte un coffre. Donc, voilà, ça nous fait 10 coffres. On va. Ce qu'on va faire. Tout ce que l'on a. On va mettre tous les objets là-dedans. Sauf ça. Comme ça, on va voir ce qu'on récolte. Et. Comme ça, on sera. On sera comment dire, on saura quoi. Voilà, donc on va ouvrir le premier. Alors 168 roses, 2 parchemins ivoire, 2 parchemins blancs, c'est pas mal, c'est un coffre tout à fait banal. 75 roses, un parchemin d'ivoire, un parchemin blanc, c'est puant. 154 roses, 2 parchemins blancs sans plus. 78 roses et deux coffres imposants, ça c'est bien. On va ouvrir les coffres imposants. Alors 68 roses, un parchemin doré dans le tas et 75 roses et une poudre d'Eniripsa. Ça va, c'est sympa, c'est un coffre à réaction en chaîne, c'est franchement c'est pas mal. Ensuite 116, 5 poudres d'Eniripsa, deux parchemins blancs, c'est pas dégueu. 86 roses, deux parchemins d'ivoire, trois parchemins blancs. 105 roses, un parchemin d'ivoire, deux parchemins blancs. Alors, boîte de fragments impressionnants. C'est quoi ça? Oh, non, c'est un fragment tout en camar. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est des fragments de gain. Oh non, je vais pouvoir les vendre. Ça, c'est cool, c'est pour faire en fait une caisse, une chasse légendaire. Voilà, 80 roses, voilà, on en a eu déjà 1000. Bon, notre truc est rentable. Et 118 roses et un coffre, deux coffres imposants pour terminer. Alors, 62 roses et 101 roses. Donc ça nous fait 1357 roses pour 10, pour 10 coffres, c'est pas mal. Sachant que j'ai fait seulement 8 quêtes parce que deux fois j'ai eu des doubles... des doubles coffres imposants dans le même dans la même chasse, donc c'est pas mal. Et voilà, ça nous fait 4466 roses. Pour aujourd'hui, au niveau des roses, ça va être terminé. Par contre, je vous annonce que soit maintenant je vais y aller un petit peu, soit à partir de mercredi, je vais aller faire un tour sur comment. Sur Vulcania, voilà, ça me revient. Pour aller voir un petit peu les quêtes et tout ça qui sont possibles. Donc je commence à avoir pas mal de parchemins de chaque.
C'est 20 000 XP un pare-chaud doré, hein, n'empêche. Eh, ça vaut cher le parchemin d'ivoire. Enfin, soit. On va voir si on ce qu'on peut faire des fragments. Soit je les garde, soit j'essaye de les vendre. Au niveau de mon stuff, je le trouve pas trop mal. Donc j'ai emprunté les objets de Jax qu'il a mis sur le Zobal, histoire d'être joli pour faire la vidéo. Donc ce que je pensais faire en fait moi c'est si jamais je chope une orbe reconstituante dans un coffre, j'aimerais bien en fait faire un petit truc que j'ai toujours voulu faire, c'est me restat full intel et changer d'élément et me mettre un stuff intel histoire de faire masse dégâts. Tu peux me donner des cas ou des items. Va voir chez les restos du cœur. Et salut. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Au niveau de la qualité, donc comme vous voyez, je suis avec le micro de mon casque, donc c'est en attendant que mon Yeti soit réparé. La webcam, je vais la changer d'endroit parce que là, elle est trop dans le chemin. Mais je vais essayer de filmer toujours avec la webcam et je mettrai toujours un petit message sympa. Je vais essayer de faire des dédicaces en dessous de la webcam, comme ça, ben, je fais un long texte et comme ça, quand vous voyez la vidéo, eh ben, vous comment dire, vous. Non, j'ai rien dit. J'ai eu peur. Et bah comme ça, bah ça vous fera des dédicaces sur les vidéos. Ça pourrait être sympa. Donc voilà. Ah oui, donc si vous voulez des dédicaces, mettez-les dans la description de la vidéo. Et bah comme ça, moi, j'aurai qu'à ajouter vos pseudos. Je mettrai dédicace A. Et puis après, il y aura la liste qui déroule en dessous de ma tête pendant toute la vidéo. Et bah comme ça, vous passerez un petit peu dans la vidéo. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut à tous!